Ok, yo tout le monde les amis, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Darkest Dungeon les amis. Et oui, le Gizmo est en train de mourir, puisque je suis malade. Voilà, je fais profiter à tout le monde sur le live. Et oui les amis, je suis en live encore une fois sur Twitch. Donc si jamais vous voulez venir me voir en live, le lien de la chaîne Twitch est en description. Venez follow le petit Gizmo, il sera très content. Sinon, bah, profitez bien de la VOD, rediffusion de live, voilà. Donc aujourd'hui, les amis, on va sortir une équipe énervée. Voilà. Puisque la dernière fois, en fait, nous étions revenus avec une... on va dire une quête narrative, repère des hurlettes. Donc c'est le retour des hurlettes. Donc, bah, let's go, hein. Donc, le gardien est revenu. Rapportant que les hurlettes pouvaient trouver de nouveaux nichoirs. Les habitants du hameau confirment que les cris... D'accord. Donc, il est revenu. Il est revenu, donc on va aller lui botter le cul. Problème. C'est que je ne sais absolument pas s'il s'agit du nid, c'est-à-dire comme la dernière fois, une pièce et voilà, ou s'il s'agit d'un vrai donjon en fait. Donc on verra bien. Alors, les rejetons, rapace. Dans un nouveau nid. Aventurez-vous dans le wild. Nettoyez la forêt de leur présence. Voilà, donc c'est nettoyer la forêt de leur présence. Donc je suis désolé, hein, pour moi, je comprends que c'est un donjon, hein. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle peut pas être abandonnée. Oh. Repérage 25. Non, mais... Tant pis, hein, je vais dépenser mon argent et on verra bien. Hein. Ça sert à quoi ça? Non, ça sert à rien. Bon, bah j'ai dépensé mon argent. Et bah let's go, j'ai envie de te dire. Allez. Si c'est que le nid, bah tant pis. Je revendrai le matos. Ça compensera. Toi, protège leur nid. Ah putain, bah c'est que ça. Tant pis. Voilà, donc elles vont protéger le nid à l'infini et au-delà. Donc c'est parti, alors elles peuvent être pas grand chose en fait. Donc le but du jeu c'est de détruire le nid. Donc on va taper comme une brute. Ah, il va falloir taper. Aïe. Olé. Allez, c'est le moment de faire esquiver là ma grande. Tac. Ok, super. Ça va être chiant parce qu'elles vont protéger le nid en boucle. Mais bon. Je vais essayer de me booster. Je
Il va falloir que je tape. Hein. Sinon, ça passera jamais. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça passe et je vais te stun. Non. Alors, je vois pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que un nid avec des branches, ça ne saigne pas. Souvent. Hein. Elles ont 41 d'esquive. Hein. C'est très dur. Ouais, ça va être très dur à toucher, ça. Ça va être un combat difficile et probablement un peu énervé. Ils sont moches, c'est le concept. Ok, donc lui, il a décidé qu'il allait me casser les couilles. Poum, ta gueule. J'adore quand elle fait ça. C'est Ebben. Allez, vas-y. Loupé. Donc du coup, j'ai tout ça pour rien, hein, au fait, hein, je vous le dis, hein, au cas où vous ayez pas compris. Donc j'ai acheté tout ça pour la peau de mes couilles. J'aime ça. Oh, l'enflure. Pourtant, j'ai de la précision. Hop, échange de coups. Voilà, hein, toujours plus de précision. Inspiration and improvement. Boom. Ça a l'air de passer. Ça a l'air d'à peu près passer. Voilà. On va taper dans le tas du... On va... Tant que c'est pas protégé, faut focus le nid, sinon c'est l'enfer. Ouais, voilà. Donc c'est celui de devant qui protège. Olé. Boum. Ah oui, hein, la précision, mon gars. C'est celui de devant qui va le... Ok. The blood quickens. Putain, les claquements d'ailes qui passent, hein. Ah, il le laisse à un PV. Ah,
L'enfer. Oh l'enfer. Dix d'ACC, c'est bon. Ça fait chier parce que si il continue à me faire monter mon stress, boum toi ta gueule. Oh là là, intouchable. Car c'est celui de derrière qui protège, sérieusement. Tiens, boum, ta gueule. Loupé. Allez, je suis quasiment à la moitié. Enfin, je suis à la moitié. Ça passe pas. Ça, c'est pas un drame. Their formation is broken. Maintain the offensive. C'est pas un drame. C'est pas un drame. Je peux faire ça et revenir. Voilà. Boom. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, l'antiquaire, elle tape pas, hein. C'est normal. Elle est juste là pour nous booster l'esquive à mort. Okay, c'est lui qui a... Okay. C'est lui qu'il faut focus, quoi, du coup. Maintenant qu'il est derrière. Boum. Putain. Foiré. Ah, j'ai encore une chute. Ouais. Je suis un peu emmerdé là. Pourquoi je peux pas? Je comprends pas. J'ai un peu peur là. Ah! Mauvaise nouvelle. Je commence à prendre des maladies, ça va pas le faire. Il protège, ouais. Oh oh.
Ça y est, ça commence à être l'enfer là. Annihilated. A momentary abatement. Alors elle, je comprends pas, elle veut plus jouer là. Ah merci, merci de jouer. Merci. Je commençais à avoir un peu peur là. Parce que là sans Jeanne, ça devient compliqué hein. C'est vraiment le pilier de ma team, c'est elle. Donc là si je peux, si j'ai plus accès à ses sorts, je vais être emmerdé hein. Tiens bam ta gueule. C'est ça, tape là-dessus, t'as raison. Enfin, t'as raison, oui et non. Et comme ça, ça me permet d'y mettre quelques gifles au nid. Ça, c'est relou. Oh. Comment ça passe? Ça m'arrange hein, si vous passez les gars. Ça m'arrange. Ah merde, ils sont réveillés là. Ils se sont dit merde, il est en train de détruire le nid ce con là. Mais oui. Merci Jeanne, tu m'étonnes. Tiens, bam. Tiens, bam, au revoir. Allez, encore 3 PV là. Ah oh, putain. Encore 3 PV, c'est bon. On est d'accord que c'est celui-là hein, qui protège. Hein. Putain, échange d'esquive. Tiens, bam. Dommage. Ok, et c'est bon. Allez, tue-moi ça. Super. A victory. Perhaps the turning point. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un familier. Impressive hall. If you value such things. Eh ben, ça a été intense, hein. Ah ah ah, l'enfer.
Donc on a chasse... Ok, ça va. Donc on a la chasse aux horreurs qui a remplacé oiseau de nuit, donc je préfère. Par contre, hémophilie, c'est emmerdant. Et on a... Alors destin tracé, je me rappelle plus ce que ça fait, mais je crois que c'est fort. Donc c'est un peu emmerdant. Par contre, on a... Ok, plus on est stressé et en fait, moins on stresse. Pourquoi pas. Ça, c'est relou. Et ça, c'est relou. Bon. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Voilà, donc on a assoif, parvient à contrôler son désir de machin, super. Ok. Tac, tac, tac. Je vais encore éternuer. Ça me pique le nez. Voilà. Ok. On va regarder dans la diligence. Ça. Ça c'est bien, mais j'en ai déjà une. Une nouvelle Jeanne. Pourquoi pas. Ouais, mais Jeanne est... Jeanne est... Trop forte. Déjà, premièrement. Je sais même pas. Je crois que j'en ai déjà une Eve. Il me semble. Truc dégueulasse. Que j'ai jamais joué d'ailleurs. Parlant de ça. Bah ou pas en fait. Donc let's go. Let's go, viens ici toi. Voilà. Pourtant ça fait un moment que je l'ai installé ce mode là. Bref. Bon les amis. Tu as toussé. Oui bah je... J'essaie de... De me contrôler. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça va être le dernier épisode parce que je commence à sniffer du nez, à avoir envie de, d'éternuer et ça va être l'enfer pour vous. Voilà. Bon, les amis de YouTube, j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. C'était un peu long, un peu fastidieux, mais on y est arrivé, hein, bien sûr, grâce à Jeanne. Jeanne qui est juste la classe la plus puissante de tout mon roster, donc bon... c'était plutôt bien. N'oubliez pas avant de partir les amis, n'oubliez pas, hein, liker, commenter, partager et surtout, surtout partager en fait. Et n'oubliez pas éventuellement de vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou à la chaîne Twitch. Voilà. Ceci étant dit, je vous fais de gros bisous. Et en attendant, prochain live, prochaine vidéo les amis, je vous dis... Portez-vous bien. Allez, salut.